si on veut vraiment remercier nos clients, si on veut leur faire plaisir, c'est de leur amener autre chose qu'un quotidien, qu'un rendez-vous dans une concession. Donc on a voulu aujourd'hui associer un partenaire, Jean-Jean, qui nous a offert les vins. Ça a permis d'avoir de bonnes relations avec ce partenaire. Ça permet de faire plaisir à nos clients, ça permet d'échanger, de se retrouver dans un moment et surtout de la détente et de découvrir un domaine forcément que tout le monde ne connaît pas, même si on est une région d'aficionados. J'aimerais, monsieur et madame, vous passer une très bonne journée. Je remercie monsieur Frédéric Jean-Jean qui est près de moi, un ami en même temps, qui est venu présenter ses vins et qui nous offre cet apéritif et ses vins pour nous. D'abord, merci d'être ici avec nous, de pouvoir venir déguster les vins de la famille, une famille qui est là depuis 1870 dans la région, donc depuis mon arrière-arrière-grand-père. Donc nous, on est la cinquième génération. Nous partons du Roussillon, dans le domaine Caz, dans le Roussillon, jusqu'à Chablis. C'est une propriété de 1000 hectares, avec 80 hectares de vignes. Nous faisons sur cette propriété 80% de vin rouge, et après le reste, c'est du vin blanc et du vin rosé. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue au sein de la famille Margé, car vous allez voir, c'est une grande famille qui vit autour d'une passion et d'un projet. On va vous présenter quelque chose d'assez exceptionnel. C'est une tiente à campo abierto, donc à champ ouvert, hein, pour ceux qui ne sont pas aficionados. Les toreros sont prêts, les picadors sont prêts. Et là, on va faire la sélection de nos vaches braves. Parce qu'aujourd'hui, finalement, je m'aperçois que soit votre histoire, celle de la famille Jean-Jean ou de la famille Margé, c'est les mêmes projets de vie, quoi. Et donc, c'est le partage des passions en même temps. Aujourd'hui, que ce soit le vin, que ce soit notre secteur d'activité, pourquoi ne pas mettre en commun nos fichiers et récompenser cette fidélité, cette amitié qu'il y a entre les clients et les entreprises? Donc, je ne pense absolument pas que ce soit tendancieux. On a de bons produits, on a une région formidable au niveau du vin, on a une belle marque qui est Renault. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour les deux entreprises et c'est une bonne chose pour l'économie locale. Distribuons deux marques, Renault et Dacia. Notre groupe vend environ 12 000 véhicules neufs et d'occasion chaque année entre Renault et Dacia. Et l'événement de cette année, c'est la création d'une nouvelle concession Dacia. Ce sera la première de l'Hérault qui va ouvrir ses portes au mois de septembre. Les stars du jour, ce ne sont pas que les taureaux et les chevaux, ce sont aussi nouveaux Master et nouvelles Mégane. Cabriolet, coupé cabriolet et tout l'ensemble de la gamme Renault, puisqu'on va de la Twingo jusqu'à l'espace en passant de tous les véhicules particuliers aux véhicules utilitaires et bien évidemment, il ne faut pas l'oublier, la marque Dacia. Internet, on a énormément travaillé pour la vente de nos véhicules d'occasion sur le site internet sofiran.fr. C'est un moyen de conquérir une nouvelle clientèle, d'aller vers de nouveaux clients. Il nous faut bien évidemment fidéliser nos clients, les conserver, parce que nous vendons des véhicules neufs et d'occasion, mais nous les réparons, nous les entretenons, nous faisons de la carrosserie, nous faisons du service et location. Nous avons réellement plusieurs casquettes, nous finançons nos véhicules. Dans l'avenir, bien évidemment, c'est de prendre des parts de marché sur nos proches concurrents, des marques françaises et des marques étrangères. C'est une journée qui pour l'avenir est positive pour nous, pour notre partenaire, mais aussi pour les différents clients qui se sont déplacés, puisque ce ne sont que des professionnels. Et là, on voulait associer la nature à tout ça, la nature, on voulait associer un endroit formidable, un domaine splendide, avec quelqu'un qui est réputé, qui est connu et reconnu, qui est Robert Margé.